Ouest, toi la flamme éternelle. Mesdames, messieurs, salut, nous continuons les tours des turbans, comme vous le savez. Pour une série d'émissions, nous étions à Hippodrome, là où le prophète avait organisé une grande campagne d'évangélisation. Alors aujourd'hui, nous sommes bel et bien à l'hôtel Balmoral. C'est là que le prophète a habité pendant qu'il était ici à Daben. Alors nous venons rencontrer le pasteur Vanzou parce que c'est ici qu'il est logé. Il va essayer de nous donner tous les détails de cette visite historique du prophète dans cette ville des Turbans. Ah bon, ici c'est Balmoral. Je préférais venir ici parce que c'est là où lorsque le prophète est arrivé ici, en 1951, au mois de novembre, il avait tenu ces grandes campagnes où toutefois lorsqu'il donne des témoignages, il part de l'Inde et de l'Afrique du Sud, donc ici à Durban, où tu as fait des grandes choses. Donc c'était ici où lorsque le gouverneur Smith lui a dit, Monsieur Branham, s'il vous plaît, tu ne peux pas tirer les rideaux de ta chambre et regarder dehors sur la route pour voir combien de choses sont en train de se passer là-bas. Lorsque il était là au premier niveau, il a tiré les rideaux, il a regardé là, sur la route que nous voyons là. Alors il y avait sept grands tracts avec des béquilles, des vélos de gens jetés, donc beaucoup de choses. Donc c'était vraiment des grands miracles. On a amené ça pour aller jeter cela. Alors le prophète a remercié le Seigneur. Déjà avec des grandes choses. Alors moi aussi, je suis venu voir, venir ici. Donc j'ai cherché un endroit bon, où ça pouvait être un prix abondant, mais c'était ici. Après lorsque j'ai pris, je remets cette date. Maintenant le prophète a passé, a fait toute une semaine ici. Alors voilà pourquoi j'ai choisi cet hôtel. Oui, bon, après ce qu'on a toujours dit, c'était 121. Alors moi j'étais dans 131. Vraiment, même couloir. Alors, je crois que l'onction là aussi, je suis passé à travers cette onction-là. En réalité, beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé. Tu vois, c'est Dieu qui peut décider toutes choses. Alors, le prophète, Dieu lui avait dit d'aller visiter l'Afrique du Sud. Il ne savait pas pour la première fois où c'est. Mais en 1950, on lui a envoyé la photo d'une femme. Madrigal, celui qui était du service de Croix-Rouge. Alors, si vous regardez la biographie du prophète Mohamed Badam, elle était devenue comme une squelette là. Maintenant, elle devait essayer à Djouba. Donc, on envoyait après madame la photo. Le photo, on devait descendre là-bas juste en anglais. Alors, le prophète dit, si on peut la mettre là-bas, qu'il se rencontre. Alors, il a dit à Dieu, si tu dirais, cette femme, c'est la preuve que tu vas voir à Djouba. Il a juré à Djouba. Parce que la femme là vivait à Djouba, elle jurait là-bas pour répondre vraiment à l'invitation. Et 6 mois après, on lui envoie maintenant la photo de la femme était complètement rétablie. Une squelette, elle est redevenue à la vie. Donc elle n'avait que 22 kilos, mais lorsqu'elle a envoyé la photo, elle pesait au moins 70 kilos. Alors, pour le prophète, c'était ainsi, il lui a envoyé à Djouba. Mais lorsqu'elle est arrivée, tu vois, à Djouba, c'est l'aéroport international, mais vous descendez premièrement à Douala-Soulac. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il dit à tout le monde, je ne partirai nulle part, je vais aller directement à Djouba. Les autres disent, non, nous, on a prié Dieu. Il y a beaucoup de gens qui attendent pas seulement à Djouba. Ils disent, Dieu m'a envoyé seulement à Djouba. Ils ont dit, non, en tout cas, nous, on a prié, allez prier, ils ont prié, ils sont venus, toute son équipe. Adieu m'a dit, on doit aller partout alors. Ils ont commencé à visiter partout. C'était presque 2 mois de prophète à faire. La tournée en Afrique du Sud, là je suis fait partout, Togo, Pretoria, Kenta, Bloemfontein, Port-Elizabeth, même chez les Noirs, Mtata, Grampson, j'étais allé partout. Jusqu'à Bethléem, j'étais étonné parce que j'ai le livre là d'un prophète qui était en Afrique du Sud. Et voilà, il a atterrissé pour la dernière fois, c'était à Djouba, là où il faut vraiment Dieu l'avait envoyé.
Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas travaillé ailleurs. Mmh. Dieu a fait aussi des grandes choses. Bien qu'ici ça dépassait, je me souviens parfois à quel point. Nous, vraiment, la partie a commencé. Si vous allez à la Stellenbosch, on met même la statue de cet homme-là. Mmh. Un juif, un professeur qui avait commencé cette idée-là, la partie, c'est à quel point. Alors, on avait séparé en trois parties. Alors, maintenant, la présence de Dieu est descendue. La présence de Dieu a brisé ces murs de séparation. Alors, la présence de Dieu les a mélangés ensemble, et les bras, et les noirs, et les calatis maintenant. Dedans c'est retrouvé de ce côté ici, dedans de ce côté ici, sous l'onction. Alors ils étaient mélangés. Donc Dieu n'aime pas la division. Dieu les a mis tous ensemble. C'est un grand témoignage. Alors il y avait quelqu'un qui était devenu prédicateur là-bas. Il est mort il y a deux ans passé, un caladien. Il n'avait pas une partie de sa jambe. Depuis le prophète avait prié, ça commençait à pousser jusqu'à trois mois. Et le pied était là. C'était un grand témoignage où on cherchait même à me montrer le pasteur. Il était devenu pasteur. Donc partout Dieu a fait des grandes choses, même à Johannesburg, où l'enfant là qui avait marché correctement, on a enlevé des béquilles, des appareils orthopédiques là, on a enlevé tout ça, c'était là-bas. Mais Dieu, bah, c'était le sommet. Là, si on veut compter les miracles, donc tout le monde ne pouvait pas témoigner parce que c'était vraiment des grands, grands miracles. Mais Dieu, bah, c'était vraiment haïa. Ok, mais c'est pourquoi notre frère m'a rentré aux États-Unis, Dieu l'avait frappé. Et là, son frère Bandaoui m'a dit, moi, j'avais seulement envoyé à Dioba, vous avez fait le tour pour visiter toute l'Afrique du Sud. C'est pas ça, c'est comme j'avais dit. Alors, il a frappé toute l'équipe. Alors, les autres guérissaient déjà avant, et frère Bandaoui est resté jusqu'à 8 mois. Alors, pour dire que si Dieu te dit de faire quelque chose, obéis à ce que Dieu dit, peu importe ce que les gens diront. En dépit de tout ce que les autres peuvent dire, reste ce que Dieu t'a dit, allez de l'avant. Mais si tout le monde est contre toi, mais Dieu pour toi, un jour Dieu témoignera que c'est moi qui t'avais envoyé. Il faut faire exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Mmh. Voilà pourquoi je vais venir ici parce que le signe c'était cette femme-là. Si la femme-là est guérie, alors tu iras là où cette femme-là vivait. Donc la femme-là vivait ici. Dieu va. C'est eux qui ont commencé avec la société de la Croix-Rouge. Mmh. Florence Nantigan. C'est ça le nom de la femme. Ce message ici n'est pas venu pour tout le monde. Bon, c'est difficile que les gens croient le message. Comme Jésus était rejeté, ce message aussi est rejeté. C'est ça ce que je peux répondre. Mais il y a quand même quelques croyants du message ici. Il y a des églises de Zébien. Bon, il y a des églises de cadres, même des blancs, ça y est ici aussi. Bon. Je ne sais pas, parfois parmi les anciens qui ont reçu le message, beaucoup ne sont plus ici, mais dans d'autres églises, ils sont là. Bon, c'est ce qui avait parfois l'impact. Mais ici quand même nous avons le début du message. Okay. Alors, connaître la raison, ça sera un peu difficile, parce que je ne connais pas en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Nous, la première fois que je suis arrivé, c'était comme un touriste. Donc nous sommes arrivés ici, avec des frères achetés. Mon frère acheté avait commencé l'église. Alors, j'avais demandé, je voulais aller voir alors le prophète a prêché. Tu vois, bon, nous sommes dans le message, donc si on arrive quelque part, on a besoin de découvrir. Alors, nous sommes allés pour la première fois, des frères qui nous avaient amenés, je ne connais plus de frères en question, si c'était des frères alpha, je ne sais plus, on nous a amenés là-bas. Alors, c'était des moments bénis. Je vois qu'on a même pleuré, on a prié, on a pleuré, je me souviens. Donc, nous sommes allés à la chambre haute en Israël. Hein? Mon épouse aussi était là, nous sommes entrés, mais je dis la vérité, nous avons senti une forte tension. On a filmé, on a même photographié la colonne de fait dans cet endroit. Tout le monde se tient à des émissions. Mon épouse pleurait, moi je pleurais, le pasteur Barou pleurait, tout le monde pleurait. Tu vois, lorsque vous entrez, c'est malade, vous souvenez, vous pensez que ah, c'est là où la chose avait commencé. La chose que nous avons. En passant, c'est pas comme ça, ça vous amène l'onction. Parce que nous prions que même Dieu, c'est une réalité, ça vous amène l'onction directement. Et on était sous l'onction et on priait. Bon, moi, je suis arrivé là où j'avais fait des grandes choses. Mais j'ai crié. Pour moi, c'était vraiment comme je lui ferais vraiment. Comme j'ai encore de revivre encore ce moment béni-là. Hein? Et j'ai crié, et c'était comme ça. Et de la bonne manière aussi. Dans son venir beaucoup la troisième fois, je sentirais la même chose, mais je n'aurais plus la même impression que j'avais pour la première fois ou pour la deuxième fois. Parce que c'est déjà un endroit que je connais très bien. Tu vois? Alors, pour moi, ça garde toujours. Pour nous, ce sont des mémorises. Hein? Ce sont des choses, des mémos qu'on ne peut pas oublier.
que dans ces maisons, si on veut témoigner, premièrement, on parlera de Durban. Deuxièmement, on parlera de l'Inde, où tu as fait des grandes choses, tu vois. Alors, on ne peut pas oublier, ça reste un mémorial pour nous. Mais je vois que c'est la même chose, on n'a rien changé, c'est changer de couleur, modifier des choses. Mais la manière dont on voit des escaliers là, dans des fermes, c'était comme ça aussi. Fermes prêchées, les gens étaient assis là partout. Et vraiment, on lui avait passé de ce côté ici, là partout, vous voyez là, parce qu'il y avait plus même de 40 000 personnes. Donc, oui, il dit qu'à une seule fois, au moins 20 000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'était un Durban. Donc, c'était ma patate. Le prophète n'a pas dit Durban. Il avait dit Afrique du Sud. J'avais vraiment envie de revenir pour l'Afrique du Sud. Mais les dénominations de l'époque, lorsqu'il était venu en 1951, il voulait savoir quel était vraiment sa doctrine. Qu'est-ce qu'il pensait de Jésus-Christ? Parce que là, dans le monde entier, tout le monde parlait de Jésus-Christ comme une deuxième personne de la divinité, de la Trinité. Alors maintenant, les groupes là, en 1953, tous sont quittés. Ils sont allés jusque-là. Ils sont allés jusque-là, aux États-Unis, ils ont quitté l'Afrique du Sud. Ils sont allés au Branham Tabernacle. Alors, ils ont vu maintenant comment le prophète Branham prêchait. Comment le prophète Branham faisait des choses, ils ont compris que Branham, lui, croit que Jésus, celle qui est Dieu. Lorsqu'ils sont revenus ici, ils ont dit non, cet homme-là, c'est un antichrist. Il est de Jésus seul. Il ne croit pas à la Trinité. Il dit la Sainte Trinité. Pour vous dire, depuis 1950, partout le feu va passer, des églises s'établissaient, qui croyaient que voilà un homme envoyé de Dieu. Des églises s'établissaient. Mais ils sont revenus, ils ont détruit toutes les églises là. Ils ont détruit toutes les églises là. Sauf une petite église qui était restée ici à Durban. L'homme là, que son père était aveugle, était vraiment appuyé, il l'a vu, il a commencé à vivre le message. Alors qu'ils ont ramené ce moment, le prophète a dit, vous faites ce que vous voulez, moi je ne sais pas rester un homme de Dieu, moi je reste. Mais toutes les églises étaient mortes, détruites. Et c'est cet homme-là, maintenant, vers le 1966, il a recommencé maintenant à prêcher les gens et ça l'a fait ici. Là, je l'ai eu des anciens, les frères, passer. C'est lui qui m'a expliqué ça. Donc, il veut tout détruire. Tout. Donc, c'était parce que je ne disais pas que je vais revenir à Durban. Il disait que je vais revenir en Afrique du Sud. Mais il dit, mais si je pense des choses que Dieu a fait à Durban. Tu vois, il pensait, si je pense que Dieu a fait en Afrique du Sud, c'est vrai, il revenait toujours à Durban. Mais pour là, il disait que je vais venir en Afrique du Sud. C'est pourquoi lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois, il est venu comme un chasseur. Tu vois, on n'a pas permis de toucher. Il s'est arrêté seulement à Durban pour faire la chasse. Et il a parlé qu'il 15 minutes seulement et c'était tout. Il n'a pas approché parce qu'on est sauvé, il ne devait pas approcher. Maintenant, lorsqu'il est rentré au mois de mai 65, il est rentré encore aux États-Unis. Il dit, j'ai encore envie de rentrer en Afrique du Sud. Allez voir mes frères noirs. C'est ce qu'il dit, allez voir mes frères noirs. Il n'a pas dit seulement à Durban, en Afrique du Sud, pour aller voir mes frères noirs. Donc voilà, pour la petite précision, c'est ça. Le prophète vivait dans cet hôtel. Pendant tout son séjour ici à Daben, au mois de novembre là, vous voyez une chose qui était vraiment une grande bénédiction. Vous voyez cet endroit où nous sommes, c'est les restos. Donc chaque matin, il descendait ici pour déjeuner avec son équipe. Je crois parfois la chaise que moi, je m'asseye ici, c'est là aussi. Il s'asseyait. Alors vraiment, je remercie le Seigneur Jésus pour cela. Donc pour moi, j'ai profité de l'onction du prophète. Parce qu'un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Un prophète, donc c'est Dieu dans cet âge. Un prophète, c'est Dieu dans un âge donné. Tu vois, le prophète Élisée était mort il y a longtemps. Mais un cadavre est tombé sur ses os. La personne a été complètement ressuscitée. Je me souviens aussi, ici à Durban. Le prophète a terminé à faire le mal, il partait. Alors quelqu'un a suivi ses mal et pas. Il a eu placé ses pas, lui aussi mettait là et il était guéri. Tu comprends? Donc un prophète, il est l'interprète de la parole, un prophète,
C'est Dieu que nous voyons dans cet âge-là. Mais Jésus-Christ, comme je te l'ai toujours affirmé et réaffirmé, c'est lui qui est le Dieu de tous les âges. Aucun prophète peut être le Dieu de tous les âges. Chaque prophète est Dieu dans son âge. Mais Jésus-Christ est le Dieu de tous les âges. Donc le Dieu de toutes les époques aussi. Lorsqu'on parle voir les âges, on peut voir les 7 âges de l'Église. Mais lorsqu'on parle des âges, on voit les temps d'Adam. On voit les temps d'Enoch. Tu vois, on voit les temps de Noé, les temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les temps de Joseph, de Judas, ainsi de suite, Samuel, tu vois, tous ces prophètes-là, Esaïe, tous ces livres-là, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes-là, chacun d'eux était Dieu, mais dans son époque. Mais Jésus maintenant est le Dieu de toutes ces époques-là. Voilà, c'est que nous avons toujours affirmé que Jésus est le seul vrai Dieu, l'unique. Number one, incomparable. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et à lui, nous donnons la gloire, l'honneur et toutes ces choses. Et à toi aussi, Billy, que Dieu te bénisse aussi. Tu as fait aussi un grand travail. Que le Seigneur aussi te comble. Et comble aussi là où tu travailles. Gospel. Cross. Net. Que Dieu bénisse aussi cette entreprise, que cela aille de l'avant pour vraiment amener les âmes au salut. Comme j'ai toujours prié, ça c'est pour la première fois que je passe, j'ai toujours dit qu'ils n'entrent pas dans la politique. Qu'ils ne cherchent pas à faire cogner les gens des têtes. Qu'ils laissent chacun s'exprimer pour l'édification du corps de Christ. Là vous verrez des grandes bénédictions. Hâte de voir si vous changez cela, ça deviendra la politique. Vous posez des questions pièges aux gens, les gens ne savent pas, ils les répondent, vous posez encore là-bas, alors le fait, ça lime, alors ça ne sera pas bien. Nous ne sommes pas de celle-là. Nous sommes de la vérité. Il faut me dire au pasteur, voilà, un tel a dit ça, comment toi tu vois ça? Voilà, là, je peux répondre. Il ne faut pas cacher des choses. C'est ça, les deux conseils que j'ai toujours donné, je donnerai toujours pour cette grande entreprise des médias. Et que je sais que Dieu nous bénira richement avec cela. Et je souhaite que des bénédictions spirituelles, physiques, matérielles et financières tombent cette entreprise et qui s'accompagne aussi et tout le monde qui sera là-bas comme ça nous accompagne aussi dans le bon de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous avons aussi prié. Amen. Merci beaucoup. Là vous avez suivi le passage.